Pierre et le loup. La maison de Pierre et son grand-père. Pierre voulait aller se promener dans la forêt. Non, dit le grand-père, les loups ont faim et ils mangeraient n'importe quoi qu'ils trouvent. Pierre va dans la forêt sans permission. Il apporte un grand coffre. L'oiseau lui demande, « Où vas-tu comme ça? » Pierre va chasser les loups. L'oiseau donne Pierre du toupet. Où vas-tu comme ça? Tu ne savais pas qu'il y a des loups dans la forêt? J'ai dit ça à Pierre, mais il n'écoute personne. Vite, vite, il y a un loup qui court après moi. Cours! Pierre, l'oiseau et le canard voient le chat qui passe et grimpe dans un arbre. Derrière le chat, ils voient une grosse bête. C'est un loup, un vrai loup, méchant. Ils s'approchent lentement. Hey, loup, est-ce que as-tu juste dit « et loup » Tu ne pouvais jamais me taper. Ok, je vais écouter ça. Hé, loup, essaie donc de me manger. Tu ne pourrais jamais m'attraper. Pierre prend sa corde et il fait un nœud. Il descend sa corde et passe le nœud autour de la queue du loup. Bravo, bravo, quelle bonne idée, tu as attrapé le loup par la queue. Il est fâché, s'il s'attrape, il va nous manger tous, c'est certain. Oh mon petit, te voilà, tu es encore vivant. Ne bouge pas, je vais tuer ce loup. Non, ne tue pas. C'est moi qui l'ai attrapé. Je vais le donner aux autres. Grand-père dit oui et laisse Pierre donner aux autres. Pierre est brave. Il a attrapé un gros loup. Moi, je pense que je suis un peu moins peur de loup maintenant. Et vous?